qu'on a trouvé une stabilité dans les résultats et dans le rugby à domicile. Maintenant, la prochaine étape, c'est de pouvoir être un peu plus challenger à l'extérieur, de faire des matchs un peu plus aboutis. Le plan comptable, c'est une chose, mais si forcément on est meilleur dans notre rugby et qu'on approche les matchs avec un peu plus de certitude et un esprit conquérant, eh bien forcément, sur le plan comptable, on sera récompensé. Alors, je ne vous dis pas que ça sera dès ce week-end, mais c'est l'objectif sur cette fin de saison, avec les gros déplacements qui nous restent, d'aller essayer de challenger un peu plus ces équipes, chose qu'on n'a pas forcément fait depuis le début de la saison. En ce moment, c'est une des meilleures équipes du championnat. Voilà, on va y aller déjà humblement et après, on verra. Tout dépend à la fin du mois. D'abord, on va déjà aller pour essayer de construire quelque chose, parce que voilà, on a essayé de construire sur le week-end dernier et on continue à construire. Donc, on va aller déjà humblement et puis après on verra ce qui se passe à la fin. C'est la réalité du niveau de ces équipes. Eux préparent quand même, je pense, sérieusement notre réception, parce qu'ils savent qu'on est une équipe joueuse, qu'on est une équipe capable de poser des problèmes. Mais donc ils nous préparent sérieusement, ils nous préparent bien. Maintenant, c'est à nous, avec la confiance emmagasinée, les victoires à domicile, peut-être un peu moins de pression aujourd'hui sur le résultat comptable, d'être capable de mieux maîtriser notre rugby, mieux maîtriser notre approche des matchs. Et voilà, il faut qu'on soit capable d'aller maintenant, qu'on est plutôt performant à domicile, être capable d'aller rivaliser à l'extérieur. Mais pour moi, il faut rien changer. C'est juste le contexte et l'approche de ces matchs à l'extérieur qui fait qu'on a moins de pression et qu'on doit se dire que le but, c'est de jouer la carte à fond. C'est une équipe très solide, je redis encore une fois, c'est une équipe très solide. Ils sont deuxième du championnat, ils ont des matchs de retard. Donc voilà, c'est une très très grosse équipe face à qui il va y avoir un rude combat de la première à la 82e. Donc voilà, ils ont beaucoup beaucoup de qualités, énormément de qualités, des très très bons joueurs. Donc maintenant à nous d'essayer de progresser et d'essayer de faire peut-être un match entre guillemets de qualité à l'extérieur.